Bonjour les yogis, bienvenue à cette séquence spéciale sur les pieds, les chevilles. On a tendance à un peu négliger ça dans la pratique de yoga ou dans la vie en général. Les pieds, c'est notre fondation, hein, c'est ce qui fait qu'on est bien grounded dans le sol, que ce soit quand on marche nu-pieds dans la terre, là, on sent que ça fait du bien, les petits muscles commencent à travailler. Donc on va venir réveiller tout ça aujourd'hui. Donc, vous pouvez commencer sur les genoux. Donc, en posture assise sur les genoux, on tasse la chair des fesses pour vraiment sentir les ischions, donc les os des fesses sur les talons. Si c'est inconfortable, vous pouvez venir vous asseoir sur un bloc, soit bien haut, à la plus grande hauteur, ou à ce moment-là, si c'est disponible pour vous, sur la deuxième hauteur qui est un petit peu moins haute. Vous pouvez aussi, si c'est inconfortable, venir glisser une couverture sous les genoux. Alors, on commence, comme à chaque début de pratique, par l'observation, pardon, de la respiration. On allonge la colonne vertébrale, on sent comme si quelqu'un venait tirer avec une ficelle sur le dessus de notre tête. On prend le temps d'observer le souffle. Et en observant la respiration, on vient calmer l'esprit, on vient se centrer sur notre pratique. On amène le souffle au niveau de l'abdomen. On ferme les yeux. On inspire profondément. On expire tout aussi profondément, lentement. Essayez de compter peut-être 4 ou 5 secondes d'inspiration, 4 ou 5 secondes d'expiration. Toujours avec les yeux fermés, on continue de respirer. Alors, même si c'est une séquence qui vise les pieds, on va faire un peu de tout. Donc, on veut quand même réveiller les articulations, réveiller, réchauffer le corps un petit peu. À l'inspire, on amène le menton vers le ciel. À l'expire, on l'amène vers l'avant et vers la poitrine. On essaie d'aller à la plus grande amplitude possible en gardant un dos long, les épaules au-dessus des oreilles. On répète à notre propre rythme. À l'inspire, on monte. À l'expire, on descend. Sentez le travail au niveau des petits muscles du cou, de la nuque. Prochaine fois que le menton est vers le bas, on vient faire des demi-cercles avec le cou. Avec la tête, pardon. Donc, on bascule la tête de gauche à droite au rythme de notre respiration. Et on ramène la tête au neutre. On va venir faire trois grands cercles avec les épaules vers l'arrière. À l'inspire, près des oreilles. À l'expire, vers l'arrière. On en fait deux autres. Pour un total de cinq. Ça fait trop de bien. Excellent. Ensuite, on change de côté de la rotation. On roule vers l'avant. On prend la main gauche, on l'amène vers la droite et on tire sur le coude gauche avec le coude droit. Donc, on vient étirer l'arrière de l'épaule puis le haut de l'épaule. On essaie de garder l'épaule loin de l'oreille. On a tendance à se squeezer comme ça. On veut descendre l'épaule. Excellent. On fait la même chose de l'autre côté.
Good. Sur un inspire, ouvre les bras de chaque côté. Viens passer le coude droit sous le coude gauche. Essaye d'agripper la main gauche avec la main droite pour les bras de l'aigle. Si c'est impossible, agrippe peut-être le poignet ou viens prendre peut-être une sangle pour tenir le plus possible les mains ensemble ou les mains sur la sangle. On tire les mains ensemble. On soulève les coudes au niveau du menton, au niveau de la bouche. On ouvre les épaules. À l'inspire, on lève les coudes vers le ciel. On sort les fesses comme dans la vache. À l'expire, coude vers l'intérieur, on courbe comme dans le chat. Inspire, ouvre. Vers le ciel, sort les fesses. Expire, courbe comme dans le chat, un beau dos rond. Amène les coudes vers l'intérieur. Encore deux autres fois. Excellent. On ouvre à nouveau les bras de chaque côté. On passe le coude gauche sous le coude droit. On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on fait toujours hein, les deux côtés en yoga. Le coude gauche sous le droit, les bras de l'aigle. Garde les épaules loin des oreilles. Inspire, soulève. Les coudes vers le ciel. Expire, courbe. On vient réveiller la colonne vertébrale. On vient étirer les épaules, les omoplates. Encore deux fois. Et on relâche. Excellent. Bon, alors c'est parti pour les étirements de pieds. On peut commencer par tapoter les pieds dans le sol. Hein. Si on a été longtemps dans la posture du japonais, ça peut tirer un petit peu. Donc, on peut shaker les pieds, shaker les chevilles. Excellent. On amène les mains dans le sol avec les mains en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches dans la table. On recule le pied droit vers l'arrière, on ancre les orteils dans le sol et on pousse le talon vers le mur à l'arrière. Donc vous allez sentir tout de suite un étirement dans les mollets, on commence à réveiller les pieds. Vous allez avancer de l'avant à l'arrière. Vous pouvez faire des petits cercles avec la cheville si ça fait du bien. Mais faire la même chose de l'autre côté. Dépose le genou droit au sol, allonge la jambe gauche à l'arrière, le talon gauche vers le mur arrière. Étire, réveille le mollet. Et faire les petits cercles de cheville si ça fait du bien. Et on revient dans la table. Excellent. Alors, on ne peut pas faire un cours sur les pieds sans faire la posture intense des orteils. Donc, on coupe tous les orteils dans le sol. On vient placer vraiment tous les orteils pour qu'ils touchent au tapis. Donc, ça compte le petit dernier là, qui essaie toujours de se cacher. On vient le placer dans le sol. On vient déposer les fessiers sur les talons. Donc, vous allez sentir tout de suite, ça va tirer au niveau du fascia plantaire, ça va tirer au niveau des orteils. On n'est pas habitué d'aller dans ce mouvement-là. C'est tout à fait normal que ça soit inconfortable. Si c'est vraiment trop inconfortable, on peut surélever un peu les fessiers, venir mettre un petit coussin ou quelque chose entre les talons et les fessiers. Et si c'est confortable, on peut aller porter les genoux un peu plus loin vers l'avant puis étirer encore plus au niveau des orteils. On reste ici pour une minute. C'est parti. Plus ça tire, plus on respire profondément. Essayez d'observer votre posture en même temps. La colonne est longue, les épaules au-dessus des hanches. Puis fermez les yeux. Concentré sur ce qui se passe dans le corps. Dites-vous que toute douleur ou inconfort n'est que temporaire. Bientôt, ça sera terminé. Sur un inspire, ça y est, on avance les mains vers l'avant, on retourne dans la table, on peut doucement dérouler les orteils, venir placer le dessus des orteils dans le sol, peut-être tapoter les pieds à nouveau au tapis. Excellent.
On vient placer le dessus des pieds dans le sol. On s'assoit à nouveau dans la posture du japonais. On vient tasser la charge des fesses du sol. Si pour vous ici, c'est la limite, vous pensez que vous ne pouvez pas étirer davantage les chevilles et rester ici, sinon on va venir placer les mains de chaque côté du corps, ou les épaules vers l'arrière. On vient faire un étirement, une contre-posture pour étirer les chevilles. On soulève les talons. Donc, vous voyez, je contracte mes abdominaux, je soulève les genoux du sol et je viens étirer l'avant des chevilles. Peu à peu, je vais pouvoir amener le poids un peu plus vers l'arrière pour pouvoir lever les genoux un petit peu plus pour venir étirer l'avant des pieds. On respire. Dépose les genoux au sol, on ramène les mains à l'avant dans la table, on peut tapoter à nouveau les pieds dans le sol, shaker les chevilles et on vient placer les fessiers dans le sol, on avance les jambes à l'avant de soi. On vient vraiment tasser la chair des fesses pour vraiment sentir les ischions dans le sol, on vient placer les mains de chaque côté du corps, on engage toutes les jambes dans la posture du bâton, Dandasana, les orteils se soulèvent vers le ciel. On commence par avoir les mains au sol. Si on veut plus de défis musculaires, on peut amener les mains en posture de prière près du corps. On veut sentir vraiment tout le bas du dos qui travaille. On veut sentir les jambes engagées. On veut que les talons soient surélevés du sol, les orteils vers le ciel. Reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, et on peut relâcher, ramener les mains de chaque côté du corps. À l'inspire, on ouvre les orteils vers le ciel, on flexe les pieds. À l'expire, on pointe seulement les orteils, donc on ne pointe pas les pieds, on fait juste poigner les orteils comme ça. À l'inspire, on ouvre. Expire, juste les orteils, on pointe. Faites forcer le muscle de l'arche plantaire. Inspire, ouvre les orteils. Expire, coince les orteils. Encore deux autres fois. Dernière. Excellent. Inspire, flex encore. Expire, cette fois-ci, pointe les pieds. Donc, pointe tous les pieds, amène tous les pieds vers l'avant, flex les chevilles. Pointe les chevilles, pardon. Inspire, flex les chevilles. Expire, pointe. Flex. Pointe. Flex, ouf, ça travaille. Pointe, flex, dernière fois. Et on relâche. Excellent. On peut venir prendre une sangle pour aller faire la flexion avant. On va réveiller quand même l'arrière des jambes, les mollets en même temps. Si vous savez que vous n'avez pas besoin de sangle, prenez-la pas. Je vais le démontrer ici. On glisse la sangle sous les orteils. On peut entrelacer comme ça. Enrouler la sangle, pardon, autour des mains. On roule les épaules vers l'arrière. On allonge le tronc à l'inspire. À l'expire, on tire sur la sangle pour amener le tronc encore bien droit vers l'avant. Vers les pieds. Pour éventuellement agripper les pieds et relâcher la tête. Donc, même si vous ne vous rendez pas aux pieds ici, on peut relâcher la tête, vraiment venir faire un beau dos rond. On étire la colonne, on crée de l'espace entre les vertèbres. Good, et on déroule. Excellent. On revient sur les genoux. On s'en va. Debout. Excellent. Alors, une fois debout, on va aller prendre un bloc. Si vous n'avez pas de bloc, vous pouvez le faire sur le mur. Donc, c'est un étirement pour les pieds, mais aussi pour les mollets. Vous pouvez prendre un livre aussi, ça fonctionne même mieux avec un livre parce que le bloc est quand même très haut. Donc, on vient placer les orteils sur le bloc, les deux talons vis-à-vis. Le talon est au sol et là, on étire le mollet, on étire le dessous de la jambe, on se penche vers l'avant. Ouh là là! On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. On vient faire la même chose de l'autre côté, on plaque. Le talon dans le sol, les orteils sur le bloc, le livre ou tout autre objet.
Et on se penche vers l'avant jusqu'où c'est confortable, jusqu'à notre limite et on respire pour 5, 4, 3, 2, 1. Excellent, on peut relâcher le bloc ou le livre. Good. Alors, posture d'équilibre, très importante en yoga, très importante pour les pieds. Vous avez sûrement remarqué que les chevilles font ça un peu quand on fait des postures d'équilibre. Alors, à l'inspire, soulève les bras vers le ciel, Tadasana, grande montagne. Donc, on soulève les talons, on vient sur les orteils. Donc là, c'est une posture d'équilibre sur deux pieds. Vous voyez que mes pieds travaillent, mes chevilles travaillent. On regarde vers l'avant, on fixe un point qui ne bouge pas. On rentre le nombril vers la colonne pour s'aider. Dans les postures d'équilibre, là, plus on engage le corps, plus on engage les jambes, les abdominaux, plus ça devient facile d'être en équilibre. On reste ici encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Excellent. Prends le temps de shaker les pieds un peu. On a fini de travailler pas mal les mollets. Good. À l'inspire, soulève à nouveau les mains et les talons du sol. Good. Expire dans la chaise avec talons surélevés. Ça, c'est touché. On ne veut pas avancer trop vers l'avant. On veut pouvoir avoir les genoux au-dessus des pieds. On ne veut pas trop sortir les fesses. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Inspire, soulève jusqu'au ciel. Expire, dépose. Étalons au sol, relâche les bras. Prendre le temps de faire le pendule, laisser aller les épaules, laisser aller les jambes. Good. Pour une troisième et dernière fois, inspire, soulève les talons, soulève les mains au ciel. Grande montagne. À l'expire, sors les fesses vers l'arrière et on s'en va dans la flexion avant. Sur les orteils. Désolée, j'ai arrêté de parler, je me concentrais. Les talons sont surélevés, mais on est en flexion avant. Donc, on peut venir placer les mains sur des blocs pour s'aider, c'est pas évident. On peut avoir les genoux pliés un petit peu si on est tendu au niveau des ischio-jambiers à l'arrière des jambes. On reste ici pour 5, 4, 3, 2, 1. Et finalement, on dépose les talons dans le sol. Flexion avant, bien relax. Bascule la tête de chaque côté. On entrelace les doigts peut-être, on entrelace les coudes. On bascule de gauche à droite. Excellent. On s'en va dans la chaise, mais très, 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 très basse. Les fessiers sont au même niveau que les genoux. On reste ici pour 3, 2, 1. Et doucement, on essaie de faire une petite boule pour descendre au sol. Doucement. Les fessiers dans ça. Good. On va faire un petit étirement dernier au niveau des pieds. Donc vraiment assise confortablement dans le sol, sur un bloc ou sur un coussin, ou directement au sol si vos hanches sont bien étirées. Venez prendre la main droite et venez glisser un doigt entre chaque orteil. Et là, les mesdames dans la salle vont me comprendre. Si vous vous êtes déjà fait une pédicure puis que vous avez le petit guidi là pour étirer les orteils, c'est ça qu'on vient faire. Donc c'est très important de venir étirer ces petits muscles-là. Donc glissez bien les orteils entre les doigts. Ouh, et là on peut prendre le temps de faire des petites rotations de cheville, relaxer ça. Sur une inspire, on ouvre les doigts pour essayer d'étirer le plus possible entre les orteils. À l'expire, on relâche. On le fait comme ça à notre propre rythme au moins 3 fois. Excellent. On peut relâcher la main, venir faire la même chose de l'autre côté. Donc, on prend le pied gauche, on glisse les doigts entre les orteils. Excellent. On essaie d'avancer le plus possible les doigts pour vraiment bien étirer entre les orteils. Ouh là là.
Viens faire des petits tours de pied, tours de cheville. Sur une inspire, on ouvre les doigts pour étirer entre les orteils. À l'expire, on relâche. Inspire, ouvre les doigts. Expire, relâche. Inspire, ouvre les doigts à nouveau. Expire, relâche. Inspire, dernière fois. Relâche. On peut essayer de venir plier vers l'avant, plier vers l'arrière. Ouh, et on sort les mains pour venir relaxer le tout. Excellent. Donc maintenant qu'on a bien étiré nos orteils, on vient dans la posture du bateau, toujours un grand classique, les fessiers au milieu du tapis, les ischions bien ancrés dans le sol. Première étape, on soulève les pieds, on peut venir placer les mains sous les cuisses si c'est là où on veut être aujourd'hui. Si on veut plus, un peu plus de défi, on soulève les paumes vers le ciel. Si on veut encore plus de défi, on soulève les pieds vers le ciel, on déplie les jambes. On reste ici pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et on descend doucement, doucement dans le sol. On essaie que ça soit une vertèbre à la fois. Faire shaker un peu les abdominaux. Oui, oui, oui. Ça y est. On se dépose dans le sol. On peut venir shaker les jambes, les genoux, pardon, de gauche à droite. À côté. Les mollets dans le sol. Excellent. On amène les deux genoux vers la poitrine. On peut entrelacer les mains ou entrelacer les coudes au-dessus des genoux pour vraiment bien écraser les cuisses dans la poitrine, bien écraser les psoas. Donc, même si ce n'était pas le focus premier de la séance aujourd'hui, c'est important de leur donner un petit peu d'amour à ces psoas-là. On croise les chevilles, ce qu'on fait très rarement. Donc, on croise les chevilles, on vient prendre le pied gauche avec la main droite et le pied droit avec la main gauche. Donc, vous voyez, je suis bien entrecroisée ici, un peu comme un pretzel. Et là, ma torsion finale va être modifiée. Je viens tourner vers la droite en tenant la jambe droite avec... La jambe gauche, avec la main droite et la jambe droite avec la main gauche. Donc, ça vous prend quelques instants pour comprendre. Regardez la caméra. Regardez le vidéo. Sinon, si c'est difficile de se rendre jusqu'au pied, on peut agripper peut-être l'arrière du mollet. On peut prendre une sangle ou on peut faire la torsion habituelle, traditionnelle. On regarde vers la gauche si notre cou nous le permet. On essaie de garder l'épaule gauche dans le sol pour vraiment faire une belle grosse torsion. Sur un inspire, on plie les jambes, on ramène les deux pieds, les deux genoux vers la poitrine. On change de côté, donc le pied gauche vient par-dessus le pied droit. Je prends mon pied, le pied droit vient par-dessus le pied gauche et je prends mon pied droit avec ma main gauche. Je tourne vers la gauche. Oh, et j'allonge la jambe droite dans la main gauche et je kick le pied droit dans le pied gauche dans la main droite. C'est vraiment mélangeant à enseigner cette chose. J'essaie d'amener l'épaule droite dans le sol, de regarder vers la droite si c'est disponible. Si vous n'aimez pas cette version-là, faites la torsion habituelle. On reste ici encore pour 3 respirations. Et on revient avec les genoux vers la poitrine. On peut faire une petite dernière posture bonbon. Donc, ça peut être le bébé bienheureux. Ça peut être d'amener... Si on veut les pieds derrière la tête dans la charrue, ça peut être de faire la posture de l'enfant. Vraiment, prenez ces prochaines secondes-là pour vous.
pouvez aller faire le demi-pont. Vraiment, choisissez ce qui vous ferait du bien. Et on se retrouve tous ensemble dans le Shavasana au sol. On allonge les jambes devant soi. On roule les épaules vers l'arrière pour plaquer les omoplates dans le sol. Ça va amener les paumes vers le ciel. On relâche tous les muscles du corps. On prend conscience des points de contact avec le tapis, avec le sol. Fais confiance en ces points de contact et on laisse aller le reste du corps dans le sol. On essaye pour les prochaines minutes de rester le plus immobile possible. Je vous propose de rester au moins 5 à 10 minutes dans la posture du Shavasana. Si vous avez le temps, continuez après la fin de la vidéo, restez immobile. Puis une fois que vous êtes prête, prenez le temps de vous réveiller en bougeant lentement, commençant par les extrémités, les orteils, les doigts. Moi, c'est ici que je vous quitte. Merci beaucoup d'avoir pratiqué avec moi aujourd'hui. Continuez de pratiquer le yoga et de partager, commenter, aimer, abonnez-vous, etc. Je vous souhaite de passer une excellente journée ou soirée. Namaste.